non esiste il fai da te. Non esistono battitori liberi. Quante volte Papa Benedetto ha descritto la Chiesa come un noi ecclesiale. Talvolta capita di sentire qualcuno dire: io credo in Dio, credo in Gesù, ma la Chiesa non mi interessa. Quante volte abbiamo sentito questo? E questo non va. Maintenant, nous allons amener une preuve complémentaire, supplémentaire, à l'effet que le troisième temple serait restitué ou reconstruit, ou l'annonce du troisième temple, de sa reconstruction, serait faite dans un temps de Shemitah. Eh bien, ça, c'est très intéressant parce que les textes que je vais vous montrer là nous projettent dans la fin des temps. Au temps du retour, pas du retour, mais au temps du jour de l'Éternel. Donc, le jour de l'Éternel, c'est une journée qui se produit après l'enlèvement. Donc, l'enlèvement aura eu lieu un petit peu au préalable, OK? Et donc, on y voit clairement qu'il va y avoir un retour au sacrifice et que toute cette chose-là, le jour de l'Éternel, etc., doit tomber dans un temps de Shemitah. Eh bien, vous savez qu'on arrive à un Shemitah cette année. Et le 13-14 septembre, c'est la fin, le point culminant du Shemitah est le 29 d'Elul, soit le 13 septembre, dimanche qui vient. Et il est couplé avec une jubilée, ça c'est assez extraordinaire. La jubilée commence, je pense, soit le 23 septembre, je pense, un petit peu quelques jours après, pour durer une année complète juive dans le calendrier juif, là. Donc, c'est assez exceptionnel de voir que tous ces signes-là, encore une fois, collent à la parole de Dieu du moment du retour de Christ pour chercher son Église et du jour de l'Éternel. Alors, on va commencer. On va étudier les textes qu'on retrouve dans Michée, le chapitre 6, les versets 1 à 15. Écoutez donc ce que dit l'Éternel. Lève-toi. Ici, ce n'est pas sans nous faire penser que le peuple qui va être enlevé va se lever dans les cieux à la rencontre du Seigneur. Ça, ici, vous allez voir, c'est une expression qui revient continuellement. Lorsqu'il y a un signe, comme je vous ai montré, m'amener le mur de Jéricho, alors le peuple monta en haut. Alors, vous voyez, c'est quelque chose qui revient souvent. Plaide devant les montagnes et que les collines entendent ta voix. Écoute, montagne, le procès de l'Éternel. Donc, le procès de l'Éternel, on est d'accord. Si le procès de l'Éternel commence, c'est qu'on est au jour de l'Éternel, c'est le début des tribulations. Et vous, solide fondement de la terre, car l'Éternel a un procès avec son peuple. Alors ici, le jour de l'Éternel, il s'agit d'un jugement de toutes les nations du monde. Mais le Seigneur particulièrement cherche à juger son peuple en Israël dans ces 7 années-là, qui vont correspondre à la grande tribulation. Alors donc, l'Éternel, on nous le dit, a un procès avec son peuple. Il veut plaider avec Israël. Mon peuple, regardez bien, là, le Seigneur crie son cœur là-dedans. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. Quand je t'ai fait monter du pays d'Égypte, je t'ai délivré de la maison de servitude et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. Mon peuple, rappelle-toi de ce que projetait Balak, roi de Moab, et ce que lui répondit Balaam, fils de Béor, de Sittim, à Gilgal, afin que tu reconnaisses les bienfaits de l'Éternel. Alors ici, on voit que l'Éternel reproche à son peuple sa stupidité, car il leur a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, en sacrifice parfait, qu'ils ne reconnaissent pas. Ils n'ont jamais reconnu Jésus comme le Sauveur. Voyant l'approche des temps sombres, les Juifs voyant l'approche des temps sombres,
qui correspond à la grande tribulation, les Juifs préfèrent encore avoir recours au sacrifice d'animaux qu'à celui offert par l'Éternel qui a donné son Fils unique, ce qui représente un affront aux yeux de Dieu. Imaginez-vous, là, le Seigneur a envoyé son Fils unique sur la croix mourir pour eux. Non seulement ils l'ont craché, ils ont complètement refusé, les pharisiens ont fait condamner Jésus, mais en plus de ça, eux, ils préfèrent sacrifier des animaux. Ils vont devoir avoir retour au sacrifice d'animaux pour essayer d'apaiser la colère de Dieu. Fait qu'imaginez-vous, vous êtes un père de famille, une mère de famille, vous donnez votre petit bébé en sacrifice pour sauver quelqu'un, et lui, après le sacrifice, il dit non, moi je vais ça m'intéresse pas ton enfant qui soit mort, c'est pas assez, moi je vais te donner je vais tuer une grenouille devant toi, puis je vais te donner une grenouille en sacrifice. Et c'est la réponse qu'on vous fait. Est-ce que vous seriez insulté, est-ce que vous seriez blessé en quelque part de voir l'agissement de Jean à cet effet-là? Évidemment, ici, c'est une figure de style, parce que vous ne donneriez pas votre bébé en sacrifice, mais c'est pour vous montrer, vous donner une image de la grandeur de ce genre d'entêtement que le peuple juif fasse à tous les miracles et à tous les prodiges que Dieu leur a donnés durant leur histoire. Alors, ici, toute cette partie-là que je viens de vous conter, on le voit à partir du verset 6, OK? Regardez bien. Là, l'Éternel leur parle. « Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu Très-Haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec un veau d'un an? » Oups! Un veau d'un an? Des veaux d'un an? Ça, c'est assez spécial ici. L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Eh bien, vous voyez ici qu'il est en train de leur dire, je vous ai envoyé mon Fils pour effacer vos péchés, vous devez l'accepter en sacrifice, vous avez accepté le sacrifice que je vous ai donné, qui est mon premier Fils, et si vous acceptez le sacrifice, eh bien, vos péchés sont pardonnés. Eh bien non, ils ont refusé un être humain, le premier-né de Dieu, son Fils unique. Ça, c'est pas assez. En contrepartie, ils répondent à Dieu, « Nous, on va te donner, pour nous faire pardonner, on refuse ton Fils unique, là, mais on va te donner un veau, on va te donner de l'huile d'olive, on va te donner toutes sortes de choses parfumées. Ça devrait apaiser ta colère. » Eh bien, justement, le 23 juin 2014, il y a justement une vache rousse, okay, qui vient de naître, et il y en a eu un deuxième, et c'est aux États-Unis, et ils sont parfaits pour recommencer les sacrifices, parce que le sacrifice dans le temple demande le sang d'une vache, si vous voulez, rousse, pour pouvoir recommencer. Et ça fait à peu près 2000 ans qu'ils n'ont pas vu une telle chose se produire. Ils l'ont regardée, ils l'ont trouvée parfaite, elle n'avait pas de tache ou quoi que ce soit. Et ça fait, voyez-vous ici, une vache rousse qui se qualifie pour les sacrifices n'a pas été aperçue depuis dans le pays d'Israël pour à peu près 2000 ans. Alors, vous voyez, il y a toutes sortes de choses prophétiques qui se produisent ici. Alors, on continue. Et voyez-vous ici, dans ce verset-là, ça dit ceci. « Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né? » Point d'interrogation. Alors Dieu leur demande, est-ce que vous donneriez votre premier un petit bébé pour sacrifice pour vos péchés? Évidemment que non. Évidemment, les Juifs vont donner des dettes, vont donner de l'huile d'olive, etc., etc. Mais Dieu, lui, leur a donné son Fils unique. OK? Il le refuse. Et par contre, les Juifs, eux, ne seraient pas capables de faire le même sacrifice. Il n'y en serait absolument pas question. Mais ils osent refuser Jésus comme premier sacrifice, comme sacrifice ultime. C'est ça que voyez-vous ici dans le texte qui ressort. Alors donc, donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec Dieu. Maintenant, la Bible nous montre que le jugement final
le jour de l'Éternel ou le jugement commence dans un temps qui correspond à l'apparition de signes célestes marquants dans la constellation de la Balance, qui représente le temps du rachat et qui doit être jumelé avec l'année d'un Shemitah ou d'une crise économique. Alors, la voix de l'Éternel crie à la ville, et celui qui est sage craindra ton nom. Attendez la verge de celui qui l'envoie. Y a-t-il encore dans la maison du méchant des trésors iniques? Iniques, ça veut dire injuste ou mal balancé, si vous voulez. Et un éphod trop petit, objet de malédiction. Est-on pur avec des balances fausses? Voyez-vous, il y a de l'injustice ici. Et avec de faux pois dans le sac. Ses riches sont pleins de violence, ses habitants profèrent le mensonge et leur langue n'est que tromperie dans leur bouche. Alors ici, je vais vous montrer une image du dernier mouvement rétrograde de Saturne dans la balance. Après ça, il quitte la balance, il va aller dans le scorpion, mais il ne reviendra plus jamais faire des mouvements rétrogrades dans la balance. Alors, on le voit ici, Saturne qui est Chronos, qui représente le faux pois dans le sac, qui débalance, si vous voulez, parce qu'il se retrouve d'un des deux côtés. Vous voyez ici, il se retrouve dans la balance de gauche, okay, complètement. Et on le voit ici, qui vient débalancer en s'ajoutant d'un côté de la balance. Et donc, le faux pois dans le sac, c'est le dernier mouvement rétrograde de Saturne dans la balance pour ne plus y retourner. Et cela s'est produit, là vous avez le 8 août ici, mais je pense que le maximum, ça a été le 27 juillet, moment exact où Barack Obama s'est présenté au Kenya pour faire son discours, pour promouvoir le mariage gay. C'est arrivé aussi dans le même temps où le mariage gay a été officiellement accepté par la loi américaine. Donc, le jugement arrive, la grande tribulation ou les troubles de Jacob, si vous voulez, au moment d'un Shemitah, c'est confirmé dans la Bible. Vous allez voir, j'ai plusieurs confirmations, mais là, je vous en mets quelques-unes. Alors, on continue dans les versets ici qu'on a commencé. Okay, on avait fini au verset 13, alors ça continue ici au verset 14, ben, la fin, 13b si vous voulez, et après 14. Donc ça dit, c'est pourquoi je te frapperai par les souffrances, par la souffrance, et je te ravagerai à cause de tes péchés. Tu mangeras sans te rassasier, et la faim sera au-dedans de toi. Tu mettras en réserve et tu ne sauveras pas. Et ce que tu sauveras, je le livrerai à l'épée. Tu sèmeras et tu ne moissonneras pas. Wow! Autrement dit, ils ne veulent pas respecter le Shemitah. Le Seigneur lui dit un relâchement des terres, mais ils vont vouloir semer. Le Seigneur va faire comme dans le temps de Babylone, comme je vous avais déjà expliqué, il va prendre les grands moyens. À l'époque, il ne respectait pas les Shemitah et il a envoyé une grande armée, Nebuchadnezzar, avec le roi de Babylone, avec ses armées, pour prendre possession de tout le territoire d'Israël à ce moment-là. De telle sorte qu'ils ne pouvaient plus ils ne pouvaient plus jouir de leur propre terre. Et ça a duré pendant 70 ans, le temps a été compté pour rembourser 70 Shemitah non respectés. Alors, si le Seigneur vous respectait pas sa parole, éventuellement vous rentrez en jugement avec lui. Et au contraire, un Shemitah, s'ils sont respectés, alors le Shemitah est une période de grande, grande bénédiction. Alors donc, ils vont semer, mais ils ne moissonneront pas. Ils vont presser le livre, mais ils ne feront pas d'onction avec l'huile. Ils vont presser le mou, mais ils ne boiront pas du vin. Alors ici, on voit vraiment toute la description, la manifestation d'un Shemitah, mais d'un Shemitah de jugement, et non pas d'un Shemitah de bénédiction. On observe les coutumes d'Omri et toute la manière d'agir de la maison d'Achab, pardon, et vous marchez d'après leurs conseils, c'est pourquoi je te livrerai à la destruction. Je ferai de tes habitants un sujet de raillerie et vous porterez l'opprobre de mon peuple. Ça, c'est Michée, le chapitre 6, les versets 1 à 15, qu'on a passé complètement à partir d'ici en haut. Donc, ici, on voit la description de Saturne qui va quitter la balance. Là, bon, ici, en haut, on la voit faire son dernier mouvement rétrograde. Je dirais que c'est le 27 juillet plus que le 4 août. Ça, je vais vous le montrer ultérieurement, mais on est à quelques jours seulement.
Et Saturne décolle et s'en va ici. Et voyez-vous ici, c'est la ligne de démarcation entre le Scorpion et Saturne. Et curieusement, elle sort ici. Vous voyez, là, vous avez la ligne entre les deux. Saturne va quitter la balance pour ne plus y revenir, absolument plus, le 28 septembre, exactement à la dernière lune de sang de la présente tétrade. Est-ce que c'est pas assez extraordinaire et significatif pour vous comme signe céleste? Alors, je vous ai expliqué que dans la Bible, la balance est utilisée pour l'annonce du rachat, de la rédemption et du jugement. Eh bien, voici un autre exemple biblique. Donc, la rédemption est le processus du rachat de ses propres péchés et c'est Jésus-Christ qui nous a rachetés par le prix de sa vie et de son propre sang. Le rachat ou la rédemption est associé avec la balance dans la Bible. Voici un exemple dans 1 Corinthiens 6, 19 et 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Alors donc, frères et sœurs, faut faire attention à ce qu'on fait avec notre corps. Si vous frappez quelqu'un parce qu'il vous a regardé de travers, eh bien, sachez que vous utilisez le corps de Dieu. Le temple de Dieu. Et donc, si votre corps est le temple de Dieu, bien, faut toujours penser ces choses-là avant d'agir. Okay? Car vous avez été racheté, et le rachat en passant est associé avec la balance, je vais vous le montrer. Car vous avez été racheté à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent, pardon, à Dieu. La balance faussée est en abomination à Dieu. Voici ici dans Proverbe 1:11. La fausse balance est en abomination à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. Alors, le 27 juillet 2015, on voit encore le dernier mouvement rétrograde du présent cycle de Saturne dans la balance. Tout à l'heure, j'avais montré le 4 août, mais j'ai vérifié par après. Je ne voulais pas changer l'image, perdre du temps. C'est le 26-27 juillet, la journée de l'arrivée de Barack Obama au Kenya, encore une fois. Quelque chose d'historique. Il n'était pas retourné dans son pays d'origine. Un autre mouvement rétrograde, il a fait la promotion des mariages gays et c'est exactement dans ce temps-là que la loi est officiellement passée pour les mariages gays. Donc, vous avez Obama, Saturne, Cronos ici, dans la balance en mouvement rétrograde au 26 juillet. Et regardez ce que Osée nous dit dans le chapitre 12, verset 7. C'est un marchand. La fausse balance est dans sa main, il aime à extorquer. Alors, il nous parle ici de Satan, qu'il est un marchand et donc que la fausse balance est dans sa main et il aime à extorquer. Je vous ai dit que Saturne, c'était l'entité la plus élevée, la plus haute que l'élite pouvait vénérer, si vous voulez. C'est Cronos, c'est lui Satan. Et tous les mouvements rétrogrades correspondent. Vous en avez encore des preuves. Je suis dans le futur, puis je continue, là, puis c'est toujours des mouvements rétrogrades qui correspondent à des points stratégiques d'Obama dans sa montée. Et là, vous avez ici, noir sur blanc, que c'est un marchand et que la fausse balance est dans sa main. Vous la voyez-vous ici, que la fausse balance est dans sa main? Alors, j'espère que ça commence à être clair pour vous. Mais si vous n'êtes pas convaincu qu'Obama peut être l'homme de la situation, là, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de ministères qui le croient maintenant, aujourd'hui, mais ils ne peuvent pas le dire parce qu'ils ont peur des représailles. Il est mieux rester en poste pour pouvoir parler de la parole pour le temps qu'il leur reste que de se faire peut-être mettre en prison ou même assassiner. Donc, c'est très, très, très difficile pour eux de parler ouvertement d'Obama. Plusieurs l'ont fait, puis ces gens-là, aussitôt qu'ils sont de personnalités connues, ont été assassinés. On n'a qu'à penser à, comment s'appelle la dame là, qui avait dit à Obama que Michelle Obama était une travestie. Comment s'appelle cette femme-là? Bon, bref, je vous en avais déjà parlé, là. Mais c'est une femme connue qui avait une émission de télévision, etc. Puis elle a été pour une chirurgie esthétique de routine, vraiment quelque chose de mineur, et elle est décédée sur la table. Alors que c'était une anesthésie locale. Donc, il n'y a pas eu d'explication qui a été donnée là-dessus. Voyez-vous, c'est très, très, très rapide. Miss Rivers, how are you? Oh.
You made a ton of news officiating the wedding in New York yesterday. Is this like a new cottage career move for you? I am so excited. Okay. I should do very well because I don't charge. And do you think that the country will see the first, the United States will see the first gay president or the first woman well, we president? We already have it with Obama, so let's just calm down. Got it. You know Michelle is a tramp. I'm sorry, she's a what? A transgender. We all know. Oh my gosh. Oh gosh. It's okay. She doesn't.